Waouh, et Marcel là qui est en train de monter, monter très très gros. Ils sont plus que 5 à table. Ouais, ça veut dire qu'il y a eu du sortant de l'autre côté. Ouais, ouais, ça a dû tomber. Ouais, ouais, il y a du rééquilibrage dans l'air. On est 11, 10. On est 11 ou 10. Oh, quinte pour Luske. Quand Dunphy, lui, va avoir le tirage quinte par le ventre et deux over. Et Ben Grundy, une over et le flush draw. Ouais, monstrueux. On va envoyer un gros 60 000 sur les 20 000 de Grundy. Ouais, c'est trop dur. Pas ce moment-là. Pas ce moment-là pour Ben Grundy, là. Qui, pour l'instant, vient calvaire face à Marcel Luske, hein. Ouais, et puis en plus, je pense qu'il accorde quand même du crédit à Luske, hein, la manière dont il a joué son As-Dame de pique tout à l'heure. Il est génial avec son cappuccino là. Oh. J'ai tout eu mon cappuccino. Voilà. Ouais, là vous battez. Là, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, il va payer. Il va aller chercher son trèfle ou son roi éventuellement. En espérant que son roi est vivant. Ouais, nous on sait que ça ne l'est pas. Bon, après, il ne l'est pas. Pas dit qu'il est mis dans son calcul. Hein. Waouh, ben voilà, là on va savoir si l'ami. Et on va refaire 60 000. Si tu m'as payé 60 000 à la turn, tu vas peut-être payer 60 000 river. Waouh. Est-ce qu'on a envie des rocos? Alors, on serait passé de quand on paye, quand Marcellus que me paye un 3-bet, il a forcément une paire. À maintenant, quand il me raise turn puis barrel river sur 4 cartes quasiment consécutives, il a rien. Je le bats avec top pair sans kicker. J'ai pas quasiment rien. Ouais. Est-ce qu'il aurait pu transformer une main en bluff, Marcel? Qu'est-ce qu'il aurait pu bluffer là-dessus? Valet 10. Le seul truc que je verrais à peu près que Ben Grundy bat maintenant, c'est Valet 10 qui aurait voulu avec son over, sa top pair et son tirage quinte par le ventre vouloir arracher le coup à la turn. Oh, il finit par payer. Et ouais, dans ces cas-là, il y a un 8. Il n'y aura pas grand-chose d'autre qu'un 8. C'est ce que se dit Ben Grundy, finalement. Ouais, comme quoi, il avait bien mis le roi, hein, dans ses potentiels outs. Waouh, et Marcel, là, qui est en train de monter très, très gros. Allez, aux portes, maintenant, plus très loin de cette table finale. Tous ces joueurs qui ont assuré, déjà, on l'a dit, plus de 20 000 euros. Et on va transpirer avec Marcel. Enfin, on va mettre you, bien sûr, à la transpi. C'est parti, ouais. Bon, 10 et 9 suité. Cravate rose rayée et petit costard colmao. Ouais. Est-ce que t'as déjà joué, toi, en costard au poker? Oui. Tu te sens pas très bien. Personnellement, je préfère pouvoir jouer dans une tenue un peu plus décontractée. Cravate, je pense pas que je l'avais, non. Allez, Luske qui est français, hein, grâce à son raise. Ouais. C'est plutôt bon. 9 et 10, donc là, ouais, on est plutôt content de relancer en position avec 9 et 10 suité. On est sur-relancé par Ben Grundy. Ouais, déjà, c'est déjà moins sympa. Mais on décide de call. On va pas passer sur le 3 mètres de l'anglais. Il a un gros stack. Il est aggro. Milky Way Bar Kid. Son surnom. Alors, je sais plus si c'est Milky Way Bar Kid, je crois que c'est Milky Bar Kid. Il n'y a pas le way dedans. Bon, et là, on a manqué. On a des backdoors. Ouais.
Voilà, des backdoors de temps en temps dans une situation un peu moins stressante qu'une quasi bulle de TF, on pourrait miser, mais là j'ai ouais, pense checker et peut-être attaquer la turn si jamais Ben Grundy venait à checker. J'aurais un peu plus envie d'attaquer la turn. Un double check de notre adversaire. Et maintenant, j'ai quand même envie de penser que si je l'attaque une fois, si j'ai envie de remporter le coup, ça va probablement être en deux coups, hein, qu'il va falloir le remporter. Donc une mise turn et une mise river. Et là, déjà, c'est un petit peu moins confortable en se disant qu'on est peut-être en train de jouer sa place en table finale avec un coup en bluff parce qu'on ne joue vraiment, vraiment, vraiment pas grand-chose. On n'a aucun tirage, mis à part un tirage pair. Et après, l'attitude de Ben Grundy aussi qui a check, qui check back très vite. Alors, il check en premier de parole, hein, Benny. Mais il a check très vite, ça, c'est sûr. Qu'il est check très vite, ça passe, ok. Voilà. Wow. Ouais. Ouais, je pensais qu'il y avait, un petit peu mieux. As-Dame suité, d'accord, en push à pique. Ouais, j'aurais pensé qu'il en paye une, sachant qu'en plus, il avait un tirage gutshot, là. Ben Grundy. Étonnant qu'il n'ait pas voulu aussi ses bêtes sur Valet 5-2, Rainbow. Ouais, bah, enfin, disons que là, maintenant, ça, on va dire que c'est assez cohérent de ne pas avoir voulu ses bêtes si tu passes à la turn, enfin, si tu passes après. Il imaginait qu'il y avait probablement une bien meilleure main chez Marcel Busque. J'ai pas vu la main de Arshad. C'est pour que tu puisses peut-être sweat avec, tu puisses transpirer avec Marcel. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'histoire. Assez surprenant d'ailleurs qu'on soit là en train de rentrer dans l'histoire sur le compte du stack de Marcel. Ça, c'est, ça regarde entre guillemets les deux joueurs. Sauf si jamais vraiment vous voyez qu'il y a une erreur manifeste hein, dans l'annonce d'un montant. S'il y a des jetons de grosse valeur qui sont cachés. Quoi ? Regarde ce que vient de faire Hussein. Valet 5 offsuit, il a passé paire de 9 tout à l'heure. Il a déjà joué des coups avec plus que le frein à main de sortie. Et là, il décide sur Marcel Lusque de tout envoyer. Valet 5 offsuit, de jouer son tournoi là-dessus. Ouais, c'est pareil, là, c'est le spot. Alors, ici, il le sent. Hein. Ah, puis il sent bien, j'ai l'impression. Regarde, il rigole, il a l'air très à l'aise. Ah, on l'a dit, il est habitué à jouer vraiment. Regardez, Greg Raymer, un beau rail, hein. Oh là, bien joué là par Hussein, en tout cas en étant complètement résultat oriented. Oh là là, Joe HM qui est choqué. On est sur 7515 000, Benny. On a peut-être deux blindes, peut-être trois chez Thierry Casals et encore. Ah, si, un peu plus. Ouais. Ouais, il devait avoir 360, donc il doit avoir 80 000, 100 000 peut-être. Il va jouer 6-7 blindes. Ouais, c'est encore pas mal. Attention à Marc Karam, bataille de blindes contre le Hollandais volant. Marc Karam qu'on ne voit pas. Non. Mais pourtant, il a du stack. Il est tranquille, intercalé comme tu le disais, quand tu es 3ème, 4ème à cette table. T'as envie que ça tombe avec les écarts colossaux au niveau du payout. Ouais. Et ben voilà, il a décidé de bouger sur celui-ci, mais payé par Marcel Lusque. Il a valet 7 suité contre la paire de 8 du Néerlandais. Les cœurs sont du côté de Marcel. Les chances de se contrefaire sont très légères. Ouais, un 7 quand même là pour Marc Karam qui va jouer un autre 7 maintenant. Ouais, mais il a plus valet de cœur. Oh, il n'y a pas besoin. Ah, oh, c'est dur pour Marcel. Oh, elle est dure celle-là. Ah, bah ouais. Il demande un sac là pour pouvoir. Pour pouvoir rendre ce qu'on lui a donné, Marcel Lusque qui nous quitte donc, Benny, en sixième position. En septième position, sous les hurrahs de la foule, en délire pour 112 000 euros.